mouton quittait sa maman. Après avoir marché longtemps, ils décidèrent de construire une maison chacun. Le premier cochon fait une maison en paille, le deuxième une maison en bois et la troisième maison en brique. Un jour, le loup part frapper à la porte du cochon. Petit cochon, fais-moi rentrer dans ta maison. Non, fait le petit cochon. Le loup, je vais souffler sur ta maison paille et il va s'envoler. Le loup qui souffle et la maison il s'envole. Le petit cochon va se cacher chez son frère. Quelques jours plus tard, le loup frappe la porte de notre petit cochon. Petit cochon, fais-moi rentrer dans ta maison. Non, dit le petit cochon. Alors je vais souffler et ta maison s'envolera. Les deux petits cochons s'enfuient chez son frère. Attends. Le loup arrive devant la maison du troisième petit cochon. Petit cochon, fais-moi entrer dans ta maison. Non. Je vais le troisième petit cochon. Je vais gonfler mes joues et ta maison s'envolera. Le loup qui souffle, il s'envole pas à la maison. Je vais rentrer par votre cheminée et je vais vous manger. Le loup tombe dans la marmite et le cochon gonfle la couverture. Les trois petits cochons, finalement, ils vivent bien dans la maison en briques. Fin de l'histoire! Le grand méchant loup, rends-le-moi, qui craint le grand méchant loup.